Salut à tous, c'est Monsieur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour du standard. Ça fait plaisir, il y a encore du standard à explorer, à tester, à voir. Et ça fait des petites perfs par-ci par-là, ça se place toujours un Ouais, peu bien en top sûr. 8 et tout. Célestia, alors attention, vous avez vu la vidéo, vous avez vu la miniature avant qu'elle ne soit créée, donc peut-être que c'est un désastre comme c'est Célestia, mais la malédiction, on a tendance à la lever. On a levé la malédiction, c'est plus On l'a U-White combattu. cette année qui nous a mis dans la Ah, sauce, hein. White, Moi, c'est sûr, hein. j'ai déjà décerné la palme de la pire Chaque année, hein. vidéo à U-White Arthos en historique. Que j'ai nommé boule d'artefact Les gens du nous coup. ont dit dans les commentaires, oh là, on n'est qu'en février, Vous avez vous tout le avez tout temps. le temps de faire Hein, pire. c'est début mars, je crois. Début mars, vous avez tout le temps de faire pire. Moi, je pense quand même qu'on fera pas pire. Je lui ai déjà donné la palme. Mec, c'était dur. Franchement, pour C'est très faire pire difficile que double guivre. c'est très difficile de dire ça avant même de tourner cette vidéo-là. Oui, parce que mais du coup, ça la rend encore plus panachée, tu vois. Ouais, je peux invoquer le Limonade karma. bière, Je peux ouais. invoquer le karma. Du Avant de coup. commencer la vidéo, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir, ça nourrit l'algo YouTube, ça recommande la vidéo aux gens, et du coup, ça fait que les gens qui sont pas abonnés la voient quand même en top Et du recommandation, coup, il et s'abonne. ça régale. Et du coup, non, ils continuent de pas s'abonner parce Ah, qu'elle est c'est proposée dans tous les cas. dommage, putain. Abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est gratuit, désactivez les notifications si vous voulez, c'est pas grave, juste vous pouvez vous abonner, c'est free. Merci aussi au sponsor, Plain by Magic Bazaar, code VALAIPL 2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous qu'on veut utiliser, et ça nous soutient. Donc merci à Merci beaucoup. tous, et je parle comme ça, À sans vous aucune raison. financer les stream collections. Pour ceux qui adorent les stream collections, code VALAIPL, fort, Fort, voilà, let's fort. go. Cette decklist, forcément, c'est la phrase que je dois dire à chaque fois, du coup maintenant on va remarquer, tu vois. Cette decklist. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est quoi? Je comprends rien, moi. Je Putain, joue pas à Magic. c'est du mid-ramp. Oh, ça y est, c'est Ok, dit. c'est bon, c'est C'est parti. saut 2019, quoi, pour le coup. Le but, c'est d'essayer de s'accélérer en début de partie, tout en ayant quand même un plan de jeu un petit peu agressif pour essayer de go big, c'est-à-dire faire des choses plus À Gobiga. pétées, plus grosses que ce que propose typiquement Hearts of Midrange. C'est une decklist qui a été littéralement prise de top 8. Il y a plusieurs top 8 qui ont vu Celestia bien se placer, voire carrément même au sommet Et des qui top a 8. vu? Verra Qui vu. a vu, verra vu. Donc voilà, petite decklist sympathique. Moi, ce que j'aime bien dans cette decklist-là, c'est qu'on a l'impératrice vagabonde, qu'on voit beaucoup dans Hearts of, mais que du coup, ben, on n'a pas forcément l'occasion de voir ailleurs. Et Dans mono blanc peut-être? dans Mono Un Blanc, peu. voilà, qui revient un petit peu, vu la Ah domination ben, de Jeskai Dragon, ça ouais. revient un petit peu, mais ça se fait toujours éclater par Hearts of Midrange. On a une espèce de méta en triangle comme ça, là. Quand il y a plein de spells non Une créature et que tu Triforce. peux jouer 4 Talia, Eh ouais, ça se passe bien. c'est cool, c'est cool. Donc voilà, la petite impératrice vagabonde qui fait plaisir. À côté de ça, je trouve que c'est juste un mix des meilleurs staples du standard. Oui. Aspirante Luminarque, annonce du mariage, Cathare brutal, putain, culé. Apparition du Fort Céleste, impératrice vagabonde, Chao Desika, Vren'Set, c'est Ah, il n'y a plus littéralement. de doigts. Non, mais c'est littéralement ce qu'on fait de mieux en C'est des Celestia. bonnes grosses cartes, quoi. Exactement. Et à côté de ça, on rajoute Starname déchaîné pour avoir un plan go big, des énormes attaquants vol. Ce que typiquement Hearts of ne saura pas bloquer. Et on a les Floredrons et les Aubergistes Prospères pour essayer de passer de la Les curve à aubergines. 2 à la curve à 4 directement, histoire de pouvoir faire un petit Chao Desika ou une petite Impératrice tour 3. C'est vraiment le plan de jeu de base, un vrai deck mid-range avec juste des bonnes créatures et des bons sorts, typiquement. Ouais, pour rester très sérieux, je vais vous demander dans le chat, enfin dans le chat non, qui n'existe pas, dans les commentaires, de chercher le record de la plus grande aubergine du monde qui a été cultivée, et de le mettre en commentaire, et de voir si c'est plus grand ou plus petit que l'alphelin citoyen. Tu dirais que c'est Je une pense aubergine prospère, du coup? que l'aubergine est pas loin de cette taille, mais quand même plus petite. Mais je ne connais pas la taille d'un Ben, alphelin. alors, l'alphelin est citoyen. Au vu de la taille de l'homme, donc il lui arrive à peu près à la ceinture, De paramètres. je dirais un bon mètre pour l'aubergiste. Et je Ouais. suis persuadé que l'aubergine la plus grosse est plus grande. Qui dépasse le mètre? Oui, je pense qu'elle Ok. dépasse le mètre. Ben ça marche, je vais mettre les en Donc, c'est commentaire. une aubergine élève L'aubergine élève, c'est-à-dire? qui dépasse le mètre. Inside. Qu'est-ce Pin, qu'on a en side, Val? Gaton, Alors ça, pourquoi on a 4 Archontes des Meria? parce que Croquis, il fait du Croquis. Il a proposé cette carte sur Twitter À Tiltor? pour battre Rune. Et effectivement, il a raison. C'est une très très bonne carte pour se prémunir de Rune qui veut jouer beaucoup de spells dans le Beaucoup de tour. terrain en base. Beaucoup de terrain non base aussi pour le coup. Et Archontes des Meria, c'est vrai que ça limite un petit peu le power level, la vélocité de ces decks-là. Donc on les rentrera typiquement contre les decks runes, peut-être aussi contre les decks Anvil, un petit peu comme ça a été le cas dans la vidéo d'avant, contre nous pour le coup. Les entraves sort d'élite contre les jeux très contrôle. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on side facile. Les Archontes of Emeria, ça rentre à la place des Cathares ou des apparitions. Et les entraves sort d'élite, ça rentre aussi à la place des Cathares et des apparitions. Très simple, très classique. Libératrice de l'horizon contre les œufs qui ont des enchantements.
notamment contre Rune, ça marche très très bien. Rune, c'est un peu the deck to beat quand même, sur le ladder en tout Mais en cas. fait, tu le respectes pas, il te one shot. Donc Ben oui. forcément, Moi, je vous ai tu te toujours dit rends de compte. respecter Rune, hein. Ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, je vous avais On prévenu. vous a vu, hein, tous ceux qu'on pas respecté, hein. Eh oui. One shot. Potion valeureuse, c'est bien contre les dragons, contre Hinata, contre Lyre, contre tous les jeux à bas Les dragons. 19. Donc c'est plutôt bien, les gros dragons. Parce que c'est vrai que bah, tant qu'il y a les dragons dans Magic, les gens jouent des dragons, que ça soit bien ou pas bien. Donc Ah bah, il de faut toute une potion façon, valeureuse. avec le 4-4, là, tu sais, celui qui fait trésor, hein, je sais plus comment il s'appelle. Pas de souci. Non. Ah, le dragon Non, d'Orpon. oui, voilà. Eh Ah, bah le oui, vrai, pardon. le vrai, ouais. Bah forcément, les dragons, ils ont la cote. Ah, les dragons, exactement. Et Yasharn, c'est bien contre tous les jeux qui veulent abuser des effets sacrifices, qui veulent abuser des trésors. Donc du coup, on a des petits Yasharn. Et en plus, c'est vraiment une bonne bête midrange, un 4-4 pour 4 qui tient le board, qui va te chercher un petit peu des forêts et des plaines. Et en plus, comme on joue bicolore, et ben, on a le loisir d'avoir des DFC avec Floredron et Appel des Merias, ce qui fait qu'on a 21 landes de base. Du coup, quand t'as 21 landes, tu floutes pas beaucoup. Mais en même temps, quand tu comptes les DFC, t'as 28 landes. Tu fais des deaths du coup. Mais Et non, non. justement, tu fais pas de Et death parce non. que justement, t'en as 28. Donc j'adore, moi, ces decks-là qui jouent peu de landes mais beaucoup de DFC. Ce J'adore. qui te permet justement bah, de ne jamais avoir des problèmes de mana base. Et au-delà de ça, de te payer le luxe d'avoir des champs des ruines, des Aiganjo, des grottes, des Boseijou, des repères. Ah, c'est Boseijou. bon, on y va. C'est bon. Excellent. Ah, c'est bon. C'est juste bon, quoi. Il fallait juste y part. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Tu veux dire quoi, pardon? Bah non, Tiens, j'ai je oublié. te la remets. Non, Ça non, va j'ai te revenir oublié. comme ça. Paf. Je crois que c'est dans le side. Du coup, on aime bien créer des anges hein, pour Ah oui. Go Big. Mais là, ah les travaux. Ah, il y a une On petite ne crée refuge pas des Felizard anges, on aussi. en chie. Ouais. Ah, on va chier des anges. Parce que quand on en fait beaucoup, tu n'en crées plus, tu en chies. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc c'est faut juste bon. faire jouer. Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. C'est Mec, cadeau. c'est mon anniversaire? Bon anniversaire. C'est quand mon anniversaire? C'est le 20 août, je crois. Je me trompe peut-être d'un ou deux jours. 3 jours. 4 jours. 15 août. Ah, oh, c'est en août, fais pas genre, C'est putain. terrible. Terrible ce qui se passe. C'était Donne. une petite question comme ça, l'air de rien, et ça aura des conséquences Ah, néfastes. moi je suis nul, hein. Mais quoi, moi c'est quand? C'est le 1er juillet. C'est trop facile aussi, Ben ça oui. reste en tête. Facile. C'est Est-ce free. Est-ce que c'est en août? Tu fais plus ou moins? Ah oui, c'est en août, ouais. Heureusement qu'on a le bon mois. Est-ce que tu Ah. serais pas né le 15 août, toi? Eh ben écoute, bien joué. C'est pas le 15 août, du tout. C'est le 20 août. C'est plus proche, mais c'est pas ça, toujours. C'est le 18? Ah, presque, tu mélanges un peu tout, mais t'es bon. C'est horrible. Ah, j'ai pas. Je crois qu'on la garde pas en fait. Ah si, on peut Floredron dans Mana Blanc. Ah, Floredron dans c'est Mana bizarre quoi. Blanc, dans 4. Non, vas-y, bah si, ça se garde, je pense. Ouais, on a Allez, Cathard dis-le Up à tout quoi. le monde ton anniversaire quand c'est. Je sais qu'il y en a un, Je il est connais pas collé. l'anniversaire de mon père, moi, Oula! pour te donner un ordre d'idée. Oula! Attends, attends, qu'est-ce qu'il fait? En plus, il s'appelle Qu'est-ce qui Oleron. se passe? Il a week-end à zéro. Mec! Oh, il la joue! Mec, on joue pas plus d'une carte par tour, on le respecte. Ben non, on va pas faire ça. Hein. Mais si, si, si. Eh Gros, non. Mulligan à 0, on respecte. Dis-nous, c'est quand maintenant? Je veux savoir, moi, C'était putain. le 28 août. Ah, 28! Mais gros, Mais c'est what? vachement Mais tard! c'est plus en août! Alors quand ça dépasse le 20, c'est le mois d'après. Mais oui! Oh putain. Ah bah non, bah attends, tu mets l'aspirante. Non, c'est une carte par tour, on respecte, gros. Non, 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 tu Non, mets non, l'aspirante. non, Non, mais on non, mais respecte. Mais il non! est en Mulligan à Mais 0 et il la joue. mais il avait qu'à quitter! Non, je respecte, Mais moi. non, mais Mais pourquoi il fait Val, ça? je respecte l'adversaire. Mais c'est mon Il a ladder! même pas de land. Mais je m'en fous! Donc là, c'est land ou aspirante. Mais non! Allez, je mets aspirante. Mais non, mais gros, je prends les victoires faciles. On est sur Celestia, ça peut très mal se Mec, il a passer. keep en Il y a Mulligan quelqu'un qui a 0. dit, oh, en ce moment, vous faites que perdre. Merde! Il y a des moments où on fait que perdre. Non, Là, mais. comme je peux jouer qu'un land, Mais pour moi, c'est pas je joue good le look, putain. repère. Je mets un land. Val, tu ne. C'est pas du tout chevaleresque ce que tu proposes là. Mais je n'ai aucune Alors que pitié pour les t'avais. mulligans Mec, zéro. on a 3 landes, il en a 0. Elle est win la game. Alors qu'on respecte. Là, c'est Mais là, typiquement une sortie qu'on aurait pu faire tu en monde respectes 0. pas. Tu vas lui dire, ah, je t'ai battu en jouant une carte par tour. C'est pas du Bah, je respect, me suis ça. mis à son level. Fais ce que tu veux. Si on perd cette game, je ferai un truc, t'es pas prêt. Et Ça j'ai pas encore en tête, mais va. ça va être génial. Ça va barder, hein. Ouais, ça va, il a même pas pioché un land, le pauvre. Ah, Ah, parce que t'as le droit de jouer une carte pendant son une tour. carte par tour. Le pire. Mais non, oh. Comment ça? Non, 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 Ah, on du peut coup, pas je joue Charles décider ça. Dedica, du coup, une carte par Ah, tour. carte par tour. Voilà. Ouais. Par contre, j'active quand même ça. Oui. Pas Ah déconner, non, quoi. c'est pas un effet par tour, c'est une carte par tour. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. T'as vu, Comme je fais des ça, 4-4. on le démolit bien, quoi. Bah, ça va, il peut revenir.
Non, il peut plus. Hollow One, il était pas content aujourd'hui, je pense. Mais je comprends pas, il joue à quoi Hollow One? Là, il a forcément pioché un land, juste il veut pas jouer en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous déteste? Quoi? Je sais pas. Et du coup, ah ouais, bah je vais pas jouer contre vous. Bah ok. Franchement, pour partir en mulligan 0, je pense que c'est quelqu'un qui nous connaît. Je peux pas mulligan à la fin. Peut-être qu'il voulait faire un duel de top deck avec nous, on est trop cons. Mais c'est ce que j'ai fait, moi. Non, mais vraiment partir à zéro aussi, comme on faisait pendant les premiers OCU. Eh ouais, mais il faut nous le dire, faut pas savoir. Parce que si on le fait et que le mec il voulait pas, on a si perdu. Si remulligan 0, tu mulligan 0. Ok. Qu'est-ce que je... Ah ben, on sait pas. On sait pas. Qu'est-ce que je rentre? Il faut les Sophie au sleeve. Dis-lui bonjour pour faire comprendre. Ah, j'ai compris, tu sais. Mais après, lui, il a sidé, nous, non. Ah oui, mais s'il part en mulligan 0, ça me va. Oui, ça change pas grand-chose. Ça passe, quoi. Ah putain, il voulait nous faire un duel. Mec, cette vidéo, elle commence sur les chapeaux sur d'euros. Ouais, c'est clair, putain. J'ai une question pour toi, j'en ai plein aujourd'hui. Vas-y. Comment tu écris autant pour moi? Je suis né à quelle heure? Je pense que t'es né dans la nuit. Non, je crois que t'aimes poser ça, c'est marrant. Autant pour moi. C'est AU plus loin TEMPS, plus loin MOI. Alors t'as oublié le pour, mais ouais. Oui, c'est vrai que autant moi. Autant moi. Oui, c'est le mec qui écrit bien les mots, mais non, c'est pas autant pour moi, genre en mode je prends cette quantité pour moi. Ouais, tu vois. Mais tu sais que moi et plein de gens pensaient que c'est mais ça. Mais j'ai déjà eu la situation. Il n'y a pas Mulligan. Il n'y a pas Mulligan. Dommage. Bah, du coup, Mulligan 0. C'est chaud. Mais du coup, un partout et on fait la 3 vraiment. Je crois que c'était pas juste un acte de rage. Oh merde, j'ai que des mains de merde, tu vois. Ah, peut-être. Je pense que c'était ça. C'est dit, allez, je pense que de merde, c'est. C'est moyen. Bah, aubergiste. Hein. Aubergine, du coup. Aubergine. Et pareil, quand t'as un coquard, comment t'appelles ça? Un coquard? Ouais, l'autre expression. Un œil au beurre noir. Ah putain, comment t'écris au beurre noir? Super dur, c'est pas au beurre noir. Si, c'est au beurre noir. B-U-E. B-U-E, enfin B-E-U-2-R-E, plus loin noir. Et ben en fait, si je me trompe pas, c'est un œil au bord noir. Au bord? Ah, je te jure. Bah, parce que t'as un œil et le bord est noir. Mais du coup, c'est éclaté, quoi. Comment ça, c'est éclaté? On ne juge pas Ah non, mais c'est nul. Moi, je croyais que c'était au beurre noir, tu vois. Genre, pas de beurre. Comme l'ail noir, tu vois. On peut impératrice. On peut impératrice, mais on peut aussi Qatar. Moi, je préfère. Le chariot, et il le pète. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Non, je pense qu'on fait Qatar, tranquille. Comme ça, s'il essaye de flipper une libératrice, il flippe notre Qatar. Ouais, après, on pouvait libératrice en main phase. Hein. Ouais, ouais, mais te casse, on fera libératrice le tour d'après sans utiliser notre trésor. J'enlève ça parce que s'il la sacrifie, je lui mets un. Ouais, bah tu peux lui mettre un maintenant d'ailleurs. À moins que. Ah oui, non, en fait, tu pouvais. Non, non, parce que si jamais il a une foudre, un choc, t'es rep quoi. Ah oui. A-t-il choc? Ouais, regarde. Je les connais, oh, moi. Putain, t'es bon, là. Je les connais. T'es très bon. Les filous. Lui, c'est un petit filou tube, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Des fruits et du fun. Mais oui. C'est horrible. Petit filou en vrai, nourriture des dieux. Le vengeur de la hurlemeute. Des lutins de Cornouailles fraîchement capturés. Et lui, il va prendre Qatar brutal aussi, je crois. On recommence, hein. Il joue vraiment loup-garou, là? Genre loup-garou, garou-garou, quoi. Loup-grulou. Il joue vraiment loup-garou. Loup-loup-garou, quoi. Et là, je peux y mettre un. Ouais, et bah, c'est amusant quand même ce que fait notre adversaire. Spoiler, va pas gagner. Curieux. Ah! Il joue Counter Wolf. Counter Wolf, ouais. Et il casse les couilles par contre. On va voir s'il en a 3, parce que nous on en a 3. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je dis qu'il casse les couilles, mais on va lui casser les couilles. On aussi, les couilles plus, ça va. Ah, ça paye super bien. Ouh là là. Dégueulasse. Ouais, est-ce que ça change quelque chose? Non. Non. Non, mais lui ne le sait pas. Eh oui. On gagne le petit PEV. Exil solitaire. S'il nous le bounce, on rejoue. J'espère qu'il a pas encore une interaction. Eh non, là tu prends le risque. Ouais. Mec, s'il a 3 KO, ouais, ça va. Ah, 3 KO béni quoi. Oh, nous on a 3 Qatar donc. Tout est possible. Ouais, c'est bon, ça prend ça. Oh, double bloc. Ça pose. Ça pose. Rien à foutre. Et du coup, ça se retombe pas. Tu poses pour d'apprendre au chariot. Chariot, il va le péter. Ouais, elle est de deux. Hein.
Il perd une 2-2, nous on a 2-2-2 et ça se retourne pas surtout. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc c'est. C'est fine. Oh, ça a bien payé en plus. C'est fine. C'est fini assez fine. C'est qui finit assez fine? Fini assez ferme. Une série, c'est un dessin animé. Je connais pas. Là, j'avais encore plein de... d'autres questions à te poser, mais je vais en garder pour d'autres vidéos. Je non, mais vas-y. Hein, il y aurait trop là. N'hésite pas. Hein. Et on va partir en couille. C'est pas ça que les gens attendent. Quand Magic ne suffit c'est pas. C'est la game 1, Val. Quand Magic il y a que 15 minutes de vidéo. Quand Magic ne suffit plus, il faut prendre le relais, tu vois. Mais Magic suffit là, non? Oui, c'est vrai. Ça se passe bien. Parce qu'il y a d'autres fois, quand on joue UI, ça se passera vraiment c'est mal. Vraiment, tu vois, donc je garde un peu, quoi. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'en plus, c'est un truc un peu long, tu vois. Bah, ça se passe bien. Ça pourrait être le thème de la vidéo. Ton oppo, il a littéralement Mulligan 0 la game d'avant, quoi. Bah, ça se passe très bien. Ah, okay. Gagner. Oui, oui. Ah, c'est chiant. Ouais, encore que, hein. Moi, je trouve que ça va. Tu vas double bloc le chef de meute. Et le tour d'après, t'auras Libératrice sur son incendie. Je vais ça, hein. Non, tu vas Libératrice dessus. Ah ouais, je vais pas appeler des mères. Non, non, non. Je pense là, tu vas double bloc le chef de meute et tranquille, quoi. Ok. Je pense 6. Contre, oui. Chaud. Ah, c'est chaud, hein. Ah, chaud cacao. C'est vrai qu'on est pas si mal. On a tué sa bête, on va exiler ça. Oh, mana bleu, c'est le pire sup. On s'en fout. Ah non, on s'en fout, ouais. C'est vrai. J'étais là en mode. Ah, dommage. Ouais, non. Oh. Allez, 1P machin. Ouais, bah ouais, parfait. Je crois que si on gère rien. Tu pourras en plus te payer le luxe de faire annonce du mariage. On va avoir un petit bloc. Exil une créature engagée ciblée. Ceci. Voilà. Et on va même jouer ça. Oui. Et tu. Et j'attaque avec Qatar. Attaquer avec le Qatar. Ouais. Il ne bloquera que peu. Mec, on est juste trop bien. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Je pense que. Ah, je sais. Pas trop trop mal. Il peut jouer un dragon d'Orpon. Bah, il peut rejouer la 4-4 et c'est très chiant. Il nous met un. Il nous met un. Il nous tue l'impératrice. Il nous tue ça. Ouais. Et on ne peut pas le bloquer. Ouais, mais ça va. Tu vois, il le fait pas. Ouais. Parce que sinon, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, du tout, ouais. Tu peux toujours pas appeler Demeria, mais tu peux Qatar sur sa libératrice. Je peux appeler. Ah non, j'ai plus de token. Bien. Ouais. Encore une fois, hein, le jeu te. Quoi que non. Je vais en garder un pour l'activer et aller chercher mon mana blanc. Ouais. Le jeu te demande vraiment de payer avec le fion. Ça, hein. Plutôt la libératrice, il va péter ton annonce. Ah ouais, il la pète là, sourcil. Bah, au moins tu le forces, quoi. Ouais. Je provoque. Je préfère provoquer que lui laisser des décisions, quoi. Que le laisser nous provoquer. Et en plus, ça veut dire que ton Qatar ne rend rien, donc c'est plutôt ok. Marqueur là-dessus. Ouais, comme ça tu peux bloquer avec. Bon, j'attaque là. Tu veux attaquer? Ouais. Okay. Les gars, s'il a carreau béni, on va souffrir. Hein. Bah, on a l'initiative, donc on va tuer quand même le naturaliste. On a l'initiative avec quoi? Avec lui? Comment ça se fait qu'il a l'initiative? C'est le cousin de. Ouais, ah oui, ok, oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié cette ligne. Faut vraiment qu'il ait carreau béni, mais il perd quand même son naturaliste, donc c'est ok, je pense. Ouais. Bah, let's go. J'étais à lui couper le bleu maintenant, mais. Fin de tour, tu le fais. Hein. Ouais. Allez chercher ton mana blanc. Ouais. C'est le plan. Bah lui couper le bleu il le joue pour des contre-sorts donc on s'en fout un peu. Ok, rien à foutre. Ça arrive engagé ou pas? Tu peux prendre ton mana et du coup faire ton champ des runes maintenant. Ouais. Bah je le fais maintenant. Bah, ouais. Je vais couper le double rouge en vrai. Mais il y a plus de chances qu'il ait... Non, il aura des montagnes dans son deck. C'est pas sûr qu'il ait une île alors que... Ah, t'as pas la troisième... Ah merde, y'a que des plaines. Ah c'est con ça. Ouais. Et du coup là on va chercher... Une forêt et il n'y a plus de basique après. Hein. Non. Peut-être qu'on est juste en basique. Ouais, peut-être qu'une troisième plaine, c'est pas non, plus cher, tu vois. Pas déconner, ouais. À la place d'un Aiganjo. Après, on a 4 appels des Maria aussi. En 4 plaines. Ouais. Parfait, tout va bien. Je peux pas moins 2, dommage, pour la tuer. Là, je pense que tu fais juste un token, hein. Ouais, petit token que je sens. Une phase. J'attaque pas. Non. Et là, tu pourras impératrice sur son 4-5 tranquillement. Faut juste pas qu'il trouve une autre grosse bête pour lui donner la célérité, quoi. Là, on a deux bêtes initiatives là. Le double bloc, il est dégueulasse ouais, pour lui. C'est clair. Ou le simple bloc, hein, suivant ce qu'il nous met. Teamplay.
toute façon, Celestia à midrange avec des vagabonds, des compagnies, des chariots, t'es Ouais, plutôt on est bien pas contre un mal, plan de ouais. jeu agressif, naturellement, mais ça peut dégénérer les loups-garous. En alchimie, c'est fort, hein, ça marche Est-ce bien. que ça peut dégénérer où les loups-garés? Ça peut aussi dégénérer, bien sûr, évidemment. Putain, lui, c'est quand même le seigneur du Lvenwald, hein. Ouais, mais après, est-ce que c'est un bon territoire, Ulvenwald? C'est peut-être juste une piton Ah, il y enclave. en a encore un, hein, tu vois. Ah, bah, rien à foutre. Ah, vraiment, je m'en Il fous. prend trop courant, lui. C'est ça, parce que si Jordan, c'est, comme tu dis, une petite c'est le enclave, pisse. y a pas de pétrole, Ouais. y a Ah pas de non. champs, y a rien, tu vois. Y a pas de blé. Ah, bah, on vous donne cette terre-là. Ah, ouais, mais y a rien. Bah, oui, mais on vous a donné une terre. L'impératrice, hein. Oui, je crois. Il va faire mes deux-deux. Là, s'il y a que Hop dalle, là. je m'en Mec, fous, y a code. Ulvenwald. Y a code. Mec, moi, je te dis, t'es le seigneur de Soliespont. T'es content? Oh, c'est quand même une ville, hein. Ouais, ouais. Parce que là, je suis seigneur de rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis forcément content. Quoique, après, je dois gérer Soliesfront, tu vois. Ben Après, oui, c'est peut-être ça que c'était moins le bien. truc, tu vois. Je te dis, t'es le seigneur de Feuillade. C'est quoi, Feuillade? Tu vois, tu sais pas ce que c'est Donc, ouais, je vais te demander un peu plus de Feuillade. détails, tu vois. Je vais mettre un marqueur. Où? Ouh, furie, lune, lame. Permet de Lui? bloquer, ouais. Lui? Oh, là, celui qui est 4-4, non? Donc ça, je le mets 500. Ouais, tu fais juste une annonce, passe. Remember your training. Ouais. Il y a un moment, tu vas faire des trucs trop big pour lui, donc. Et lui, il fait rien de big dans son deck. Nothing is big. Rien n'est gros. Ouais. Plus 2. Si, hein. Il peut pas attaquer parce qu'on a une 5-5 initiative. J'allais dire, est-ce que je fais Chandruine? Non, je ne fais plus, non. Le 7ème land, jamais? À quelle heure, le 7ème land? Oh, t'es quand même vachement bien en vrai. Je buff mes bêtes. C'est quoi l'ulti? Ça va qu'il n'y a pas d'ulti quand même. Hein. Fort heureux. Oh, il y a un moment, tu vas lui mettre une sauce, mon pote. Ah bah, je crois que le tour prochain, là, je vais commencer à... Ouais. Lui qui Ah, restait les on s'en côtes. fout, tu vois. Hein, à vous deux, Alana et Alena. Non, mais il y a plus de marqueurs que nous. Ouais, mais bon. Donc attention les ballons. Ah, va pas suffire, je crois. Hein. Oh la Ok. grosse bête. Waouh, t'as une grosse bête. La grosse Super. bête. Super. Ah! Eh merci, en vert. Ah! Bon, bah vas-y, comme ça tu peux bourrer. Oui, c'est indestructible. Ça rend indestructible ton board, mais pas tes Créature anges. non ange que vous contrôlez qui est indestructible. Excellent. Après, ils ont pas la vigilance, donc Du attention coup, que je je vais me peut-être batte faire un quand même. 2-2 avant. Pourquoi? Pour qu'il soit indestructible Ah, aussi. ok. Keep watch for Et du coup, intruders. est-ce que j'anime ça? Oui. Tu janines ça. J'anime. C'était pas mieux de piloter avec celui qui vient d'arriver? Ben, en fait, il a la vigilance. Il a la vigilance. Oui, si. Je suis Oui, con. c'est pas Voilà. grave, hein. En fait, je voulais pas piloter avec eux. Mais Ouais. du coup, il fallait que je pilote avec un des deux. Enfin, avec lui, du coup. Ok. Bon, voilà. Il a compris. Oh, je me suis full embrouillé. C'est pas grave. Moi, c'est la victoire est là, donc ça Le play passe. était simple, mais genre pour optimiser, c'était comme ça. Dans quel ordre il faut que j'active et puis que je fais ça. Il fallait faire marcher le cerveau, interagir, vérifier que le setup Te tourne. parler. C'est dur. C'est dur. Non, mais c'est dur, hein. On se plaint pas assez. Il n'y a pas un syndicat des streamers? Dommage. Bah, en même Un temps, métier difficile, à qui se plaindre? Aux gens qui nous regardent? hein. Oh, c'est chaud. Hein. On gagne pas assez. Est-ce que c'est pas ça, streamer, se plaindre aux gens qui te regardent? Bah non, Non, on c'est pas essaie de ça, pas trop le streamer. faire en vrai. Hein. Ah, je pense que tu peux le On se faire. plaint des landes. Mais Oui, ça, c'est moi je me normal. plains du jeu, mais bon, voilà. Ça, je le faisais avant de streamer. Eh oui. Alors, on le fait quand même de manière plus violente devant un PC quand même. Hein. Eh, mais c'est l'environnement. C'est propice. Qu'est-ce qu'on lui met à celui qui arrive là? La boîte et les clous. Oh, il met Tout. tout. Tout, Oh, tout, j'ai faim. tout. Tu crois qu'il s'est bien passé le Nian Dynasty Championship? Je pense qu'il va s'est bien passé. Je pense qu'il s'est bien passé. Je pense qu'il Dites-nous dans était les commentaires si c'est bien passé. exceptionnel. Oh! Oh Lily, ça fait un bail que j'ai pas vu l'avatar Liliana. Ça joue, Avatar. Ouais, moi je préfère ma Jaya, mais. Évidemment, voilà, super. Je regarde ça. Ouais, c'est bien du faire rien pendant 3 tours, mais c'est assez Un mec fort fait pour. drop 2, hein. Ouais. Donc bon. Ça peut le faire. Oh, je sais ce qu'il fait lui par contre en face.
Mono blanc. Ou alors il joue comme toi, mais il y a quand même plus de mono blanc peut-être? Ouais. Oh, mono blanc dès qu'il s'est importé. Hein. Basique de Kamigawa, ça. Mec. Oh putain, Il mais n'y a pas que Vidrobio, je vais te monter. tu pioches super bien, dis-moi. Je suis très fort en pioche. Ah, c'est coquin, Je me ouais. suis remis. Ah, tu t'es J'ai remis eu à une baisse de piocher? régime. C'est vrai que t'as eu une grosse baisse quand même, les gens ont Mais pu en témoigner. ça va mieux. Ouais, c'est bon. Après, j'avais tout donné. Hein. Oui, mais bon. Au moment, il faut recharger les batteries. Hein. Il faut rester lisse. Moi, c'est comme à Magic, je m'en fous la perf isolée. Je veux pas que tu sur-top deck toute une vidéo, je veux que tu vois, toutes les vidéos un peu. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui fait la saveur du top deck? Ah bah ouais, mais du coup, ça fait la désaveur des autres vidéos, quoi. Peut-on tout avoir, Val? On aimerait. Faut essayer, quoi. Eh ben oui. Hein. Annonce le mariage, tiens. Dis-leur que tu vas te marier. Ah bah en plus, je peux le dire. Non. Bah du coup, puisque t'en parles. En contre, je pourrais demander ma chérie en mariage dans chaque vidéo, et elle le saurait jamais. Elle ne saurait pas. Si elle t'entend de là-bas. Oui, mais il faudrait que je le fasse quand elle est pas là, du coup. Bon, je le dis à voix basse. Je lui dis, vas-y, Val, dis une connerie, je la demande en mariage en chuchotant. 4 ans plus tard, ah, du coup, vous êtes toujours pas mariés? Et là, je lui montre le giga best-of de la chaîne, avec tous les trucs. Toutes les demandes. Mec, c'est pas mal, hein. Je vais y penser, je vais Tu faire fais mon un plan. mode, cet homme a demandé sa femme 6000 fois en mariage. Mais elle ne le savait pas. Elle le savait. La raison de vous étonner, c'est Il des est juste vidéos qu'il ne lui a con. pas montrées. Hein. Il est juste con. Ah, Donc, vas-y, ok. jump avec ta inspirante là, non? On s'en bat les couilles. Je vais mettre les deux là. Il est rect. Non, il est pas rect. C'est C'est le vagabonde qui va virer ça. nous qui C'est sommes nous qu'on rect. les Mais rect. tu vagabondes pas du tout là, il y a Redan. Il y a Redan, bien joué, Tu parce que j'allais vagabondes. prendre le mana posé ça. Ah, tu vagabondes rien du tout là. Pose le repère. Et ciao. Eh ouais, repère ciao. Hein. Crac, repère ciao, vraiment. Repère ciao, repère ciao, ciao, ciao. On Bah, en je est là. bourre, hein. Eh non. Bah, si. Là, t'es à 14. Bah, ouais, mais je vais pas bloquer ça à 5-5 avec ma 4-4. Non, mais tu vas peut-être mettre ta 4-4 et ta 1-1 dans sa 5-5. Ah, tu veux? Mais oui, je veux, je te l'ai demandé le tour d'avant déjà. Ah, je crois que c'est une blague, moi. On est oppressé. Mais j'en ai deux, des On est 1-1! oppressé là. Ah, le putain, On j'avais de est quoi chump block pendant oppressé. 8 tours! Je veux pas que tu jump block pendant 8 tours. Blablabla. Sur un Il va land, je suis continuer un à. brutal. Voilà, tu vas trade là, tranquille. Ah, il Tranquille. était juste pas en fait. Et C'est j'ai pour ça perdu qu'il 4 points de fallait dégâts. bouffer, l'espérance de la game d'avant. Ouais. Il a juste décidé de te chier dessus, si tu veux savoir. L'état d'un Deadpool. On n'est pas perdu là. On n'est pas perdu, ouais. On n'est pas perdu. Tu veux vraiment que je t'explique pourquoi on a perdu? Ou je garde juste le Ganjo et je tue un de ses attaquants. Mieux. C'est vrai que tu peux faire ça. J'ai pas de créature légendaire, c'est un peu chiant. Et je n'ai pas envie de perdre 3 PV. Non, mais tu vas poser sa tape et tu gardes les Ganjo, ouais. Il faudra surtout tuer Redan, mais s'il attaque pas avec, c'est chaud. Alors, je pense qu'il va attaquer vu que ça a la vigilance. Alors, t'es obligé de passer turn ici. Je passe turn ou je mets 2? Et je draw 2. Non, non, je pense que c'est C'est trop dangereux. dangereux. Ouais, c'est trop dangereux. Ou je peux mettre 1 et ça et ça. Il nous trade. Ah bah non, mais il va bloquer avec Redan, je Non, crois. non, non, vas-y, vas-y, passe. Passe, on peut l'attraper avec Aiganjo. Aiganjo into Katar, into Impératrice, là, on peut faire des dingues. Allez, let's go les dingues. En vrai, t'es Oh, pas il y a si du board. mal. Hein. Mec, il y a Aiganjo du sur board. Redan, on est bien. Ah, il y a du Mec, board. il y a du Mec, board. il y a du Il y a gigaboard. du board. Ah bah je sais quelle liste il a importé. Il a importé le gagnant du gros tournoi récemment qui jouait justement 3 landes rampantes et 3 Land droites. rampant. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est tout sur Redan. Qu'est-ce que tu veux faire? On a perdu. Putain, j'avais pas vu, on est mort en fait. Ouais. Enfin, j'avais pas vu, il fallait qu'il ait un land quoi. Mais s'il a tout. Allez, quitte donc là. Voilà pour souffrir moi. Eh ouais. Parfait. Nous a bourré fort. Je mets des bloqueurs fly. Block fly. Non, je pense pas. En vrai, je pense que notre deck, il est main deck prêt à se battre contre Ouais, lui. mais est-ce qu'on met deux postures dans les batailles de marqueurs, c'est fort? Bah ouais, mais même pas. Ça sous-entend qu'on le laisse faire des marqueurs et tout. En même temps, Moi, je crois qu'il faut pas s'aider. pas Hein. comme si on interagissait beaucoup. Hein. J'ai rien envie d'enlever. J'avais juste envie de prouver mes Katar et mes Non, mais ça me apparitions va et. vendu. Let's go. Juste les stars en âme déchaînée, je sais pas si c'était pas On a trop cher, toi. gardé une main de merde parce qu'on a gardé une main qui fait rien pendant 3 tours, on prend mono blanc sur le play. Bah, Enfin. on a joué un tour 2, un tour 3.
Enfin, ils nous ont enlevé notre tour 3. Ouais, c'est Donc. ça. En fait, je pense que si t'as pas tes Qatar et tes apparitions, tu gagnes pas le match. Et si tu les as, tu gagnes le match, tout J'en ai simplement. une qui l'a taxé, donc. Et puis Redan qui fait qu'on peut pas jouer notre truc. Non, en fait, il nous a juste Oui, il nous a counter, démêlés. on n'avait pas une main dégueulasse. Hein. Parce que t'as trouvé la Parce que sphère je en... trouve trop Ouais. mieux. Ouais, c'est keep. Bon, et donc, il sauve la mise. Toujours. Mais c'est pour ça, j'adore moi les decks comme ça avec peu de land et beaucoup de DFC. T'as toujours une main qui est playable. Il est bon en 3D. Le Ouais, petit ça bonhomme. va. Petit bonhomme. C'est vraiment un petit bonhomme, tu penses? Ah, mais c'est un petit bonhomme de ouf. C'est un petit bonhomme, c'est badass. Et bah, aspire, hein. Petit. Aspire, into annonce, et si un jour tu comptes ton deuxième mana blanc, tout ira bien. Petit Tout ira quanti. bien, tu verras. C'est fort de le mettre au début de la phase de combat. C'est meilleur qu'en alchimie. C'est meilleur. Ouais, c'est bien meilleur. Adepte optimiste. Ok, lourd. Annonce du mariage. Tu veux pas rester en bloc avec ta 3-3 pour qu'il puisse plus attaquer? Je crois qu'on est. Ouais. On est joueur défensif, hein, je pense, Après, hein. on a une 1-1 pour bloquer ça, mais c'est vrai que ça va devenir une 2-3 sinon. C'est un peu chiant. Ouais, moi je suis plutôt team. Défensons. Ouais, j'agresse pas mon Ouais. blanc, quoi. Juste là, Par tu exemple, dodges. pas là. En fait, là, il faut un quatrième land et s'il est blanc, c'est parfait, quoi. Je pense qu'il va pas prendre de chariot. Non, je crois pas, hein. Ah oui, je baille comme un sale. Comme un sac. À main. Sac de frappe. Bon, bah, annonce, hein. Allons-y, hein. Si le jeu nous aide pas, le jeu Et nous le aide jeu pas, nous quoi. aide pas. Mais ouais. Au De moins, t'as fait un gros board. Ouais. À tour prochain, on va commencer à plus trop négocier. On sera plutôt bien, je pense. Le show aussi, quoi, On Adeline. prend le fly. Il y a 1-1 qu'on bloque. Bloc, 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 bloc. Ouais. Je sais pas pourquoi il a gardé. En... Ouais, quoi que c'est pas si mal, entrave contre nous. Entrave sort d'élite. Vas-y, on va manger. Ah, ça y est, j'ai la dalle. J'ai super faim. Fais pas d'efforts aussi, hein, je te l'ai dit. Hein. Ah là. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Mon cul, hein. Je crois que je vais tout mettre et je commence à bourrer, là. On est marre. Non, faut pas bourrer. Tu vas avoir un énorme board. Faut qu'on continue à Ouais. bloquer, le temps de trouver nos manas. Je pense que tu mets sur aspirante pour être sûr de pouvoir bloquer Adeline. Elle est deux dessus. Là, elle passe à 5, Bah, s'il a Adeline. une aspirante, ouais, il a une grosse bête Ouais, qui vas-y, vas-y, trade. ouais. Ouais. Pas l'attaque, et puis là, on commence à avoir des trucs, quoi. Ah bah non, parce qu'il y avait le buff, donc j'aurais pu ne mettre qu'un marqueur et T'aurais en pu mettre mettre un nos autre. bouquins marqués. Ouais, bon, c'est pas grave, tu prends quand même de l'avance sur la plus grosse des bêtes, quoi. Et il avait aspirante, Il hein, avait il a aspirant. tout celui-ci. Et non, c'est bon parce que lui, par contre, il gagnait plus 1 aussi en jouant une créature. Donc t'as bien fait. Et bah même ça suffit pas, parce que s'il mettait marqueur sur Adeline en attaquant, il avait 7. Ouais. C'est ouf, hein. Ça va vite, Adeline. Après, il y a toujours 4 hein, donc. Oula, oula, oula. Il peut pas jouer vagabonde. Attends, il me prend pour un con ou quoi? On prend une jambe bon là? Non, non, mais mets la 7-7 dans la 6-4. Pardon, bref. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi il fait cette attaque? Et go comme ça. Hein. Il a quoi comme tricks? Ah, il a Eganjo. Mais c'est pas grave, on Eganjo, il met t-trade. 4, on s'en fout. Il protège ça. J'en mets un autre de plus, il a Eganjo. Ouais. Tu joues? Vas-y, ouais, let's go. On fout des ganjos là. Qu'a-t-il? Oh, il a la carte ninjutsu. Je vois pas, ouais, il pète ça et alors c'est pas grave, on pète quand même. Ah, du coup, merde. Non, mais Ah, bah non, il a retiré un marqueur. c'est extrêmement naze. Ok, bah vas-y, chariot. Nice. Relais de chariot. Et tu peux même attaquer pour draw des cartes si tu veux pas. Oui, je pense que tu vas draw, t'attaquer avec 2-1. Ouais. Bah t'as assez de Je bloquants, t'attaque avec quoi. une 2-2, une 1-1 même. Ouais, avec une 2-2, une 1. Comme ça, tu trouves ton cinquième land, apparition sur entrave et on est en train de gagner cette game. Ouais, je vais faire gaffe à son land rampante, quoi. Mais bon, on a le temps. Avant que ça soit problématique, t'as le temps quand même. Je pense que c'est plus adapté au match-up contrôle que contre nous, quoi. On lui prend une bête, on drôle le cinquième land là, maintenant. Okay. Dommage. Oh, trop bing. Lourd. Trop bing. Festivité du mariage. J'aime bien ce deck Celestia qui joue que des bonnes cartes de standard. Ça me fait... J'aime bien ce genre de deck que j'aime bien jouer, quoi.
Ouais, c'est assez cool. Genre, typiquement, quand tu découvres un format, entre guillemets, que tu sais pas trop, C'est les c'est le deck, tu peux le bons. piloter pas trop difficilement en plus. Bon deck Pour de ceux jour 1, quoi. qui se mettent à Magic en version non budget, quoi. Ouais. Pas mal. C'est un chouïa chiant cet adversaire, mais. Ouais, si on trouve land, ça va. On gère ça, et c'est une quête de. Ouais, une quête de random. Peut juste trouver le land, hein. La blague. Arrive engagé, je vais quand même jouer aubergiste, je pense. Non, je pense que Gagner tu fais des pèves. plutôt chariot, non? Non? Encore chariot? T'as peur? Parce que là, tu gagnes comment des pèves avec aubergiste? Quand je vais faire un token Ah, bah vas-y, ouais. Si t'as peur qu'il nous one shot avec une deuxième aspirante, par exemple. là. Ouais, c'est ça. Ok. Gagner des pèves de suite, ça me rassure. Ok, bah vas-y. Ça et ça. Tu Marqueur peux lui sur mettre un marqueur quoi? sur le chariot, hein. Non? Ah non, parce qu'il peut être le double trade. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je mettrai là pour attaquer avec plusieurs trucs. Vas-y, vas-y. Ok, avec Attaquer avec ça. ça. Alors attention, Parce tu que je vais créer recrées un un chat. truc. Ouais, Donc normalement j'aurai c'est trois bon. bloqueurs au sol. Normalement c'est bon. Et il aura trois attaquants maximum. Ok, vas-y. Ouais, de toute façon, faut essayer de lui tourner le coin à lui, hein. Ouais. Et on Pas va le chat qui créer attaque, voilà. Un chat. un chat. Et une PV. Je pense qu'on Ça peut sera gagner intéressant juste à la course en vrai. ouais Parce que là, il prend quand même des énormes patates. On a un énorme board. Et le tour d'après, surtout, on lui enlève un bloqueur. Donc, genre, même attaquer avec Entrave Sort, il est mort. Adeline ne fait rien marqueur sur entrave sort moi je mettrais Ouais. plutôt sur adversaire hein, pour gagner plus de PV essayer de gagner la course à sa place. Ouais. Il le fait. Du coup, il va bourrer avec son adversaire, c'est ça? Non, il attaque juste avec Entrave Sort, mais il a 100 blocs et il fait gagner 5 PV. Ouais, bah on a gagné. Du coup, on bloque ça. Tu prends 5. Derrière, on fait apparition sur entre adversaire Adversaire. intrépide. C'est GG. Ouais. Faut pas qu'il ait Abri de Tajiri, tout comme ça. Ça joue pas ça, mono blanc. Normalement, non. Après, les gens font ce qu'ils veulent dans leur liste, hein. Maintenant, je précise toujours, mais normalement, il est pas censé avoir ça. C'est quoi qui est mieux? Ah, apparition. Apparition, ouais. Sur adversaire. Ouais. Tu crous chariot avec apparition et n'importe quel daube et c'est GG. Marqueur Sur sur ton un. aubergiste qui est de 2. Tu divises Ouais. bien, hein, tout est. Et même s'il a Iganjo, je crois que t'as l'étal. Parce qu'il peut avoir Iganjo up avec Adeline, en fait. Ouais. Mais là, il Mais. fait bloc-bloc, il en tue un. Je pense qu'il prend les 8 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'était sûr qu'il avait Iganjo. Et du coup, on crée pas le choix, mais c'est pas grave. Il a quand même perdu. Bloc-bloc. Tu le mets 9. Non, tu le mets 8. Ouais, non, tu le mets 9, je crois. Même plus, en fait. Ouais, bon, GG. Ok. Bon, il y avait l'étal, quoi. Je savais pas Ouais. exactement à combien, mais il y avait largement l'étal. Bon, bah, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de trop sider en vrai. Hein. Ouais. Go comme ça. Hein. Bah ouais. Il faut juste trouver tes interactions. Et le deck en a 8 main deck, donc ça suffit amplement. Ouais. Let's go. Ah, ça suffit, mais on peine un peu. Hein. Après, ce qu'il fait toujours Entrave Sort dessus. Mais... Ouais. Il est pas obligé, lui, il a que 4 Entrave Sort. Après, si on voulait spécifiquement battre mono blanc, ce qui n'est pas le cas dans ce format, on pourrait le battre. Tu vois, on jouerait des puits portables, on aurait des trucs qui sont Oui, bien designés pour le battre. Le truc, c'est que mono blanc, en fait, c'est déjà battu un peu par le format de base, donc. pas skip ça. Je crois que ça skip, mais bon, tu te fais encore rect sur Talia et compagnie, quoi. Là, tu prends Talia T2, tu fais l'avion. Mais vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas grave. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment un meilleur 6, tu vois? Bah ouais, on a tous les drop 2 qui nous accélèrent, mais. Que visiblement, le deck ne veut pas nous donner, quoi. On peine à trouver notre deuxième mana blanc à chaque fois. Attends, putain. J'étais obligé d'ouvrir ma gueule, moi. Forcément. Ouais, là, c'est perdu, hein. Je te le dis, je vois pas comment on remonte ça, quoi. Aïe aïe aïe, rien, peut-être faut l'imiter. Enfin, facile de dire ça maintenant qu'on sait qu'il y a Talia. Bon. Genre, ta main est injouable.
C'est un monoblanc taxe, vraiment, j'aime pas trop. Moi j'aime bien, hein, quand je le joue, pas quand je le rencontre. Ah, je peux tuer ça. Ben, land pass, c'est fini, hein. Genre, on prend l'enfer. Eh oui, hein. Tu pourrais chercher un mana blanc, cela dit, avec ton champ de ruine. Et je vais le faire, hein. Mais je crois qu'il n'y aura pas d'issue favorable à cette histoire. Ah, il joue pas de bête. Non. Ça fait plaisir. C'est déjà trop, en fait. Ouais. Pour nous, là. Il faudrait trouver il a toutes ces cathares. Et... jouable. Il faut trouver cathares et apparitions, en fait. C'est les cartes qui nous font nous battre contre ce deck-là. Et si on les a pas, bah, ça passe pas, quoi. Ouais, alors... A-t-il interaction? Bah, il va avoir cathare brutal. Apparition marche pas, mais cathare marche. J'essaye. De toute façon, là, c'est mieux qu'aspirante. Ouais, vas-y, vas-y. Disons que tu peux bloquer un peu le board s'il a pas un cathare. Mmh. Mais vu qu'il avait pas de créature à jouer, c'est qu'il a des créatures réactives. Ouais, je pense. Qu'il a un cathare. Ok. Okay. Pour l'instant, il n'a pas. Vichy va nous taxer l'impératrice vagabonde. Mmh. Encore plus, je veux dire. Bah, c'est-à-dire qu'on l'a joué le tour d'après, là, c'était vachement bien. Ouais, ouais. Bon, on a quand même Shadow Desika qui arrive. Ouais, mais contre Double Traceur d'élite, ça fait pas le taf, quoi. What? Quoi? Il a les gants de jeu. Bah, de toute façon, faut que je bloque, hein. Bah, ouais. Vas-y, pas bloque. Je tente de bloquer ça. Plutôt l'entrave, hein. L'entrave sort qui nous pose problème maintenant. Bah, non, ça fait plus rien, là. Bah, c'est une 3 en fly. Ouais, bah, on va mourir si jamais on lui laisse fly. Alors que si on met des chariots au sol, on les bloque, les talia. Pour 2 mana et Ganjo. On lit en lui comme un livre ouvert. Ouais, bon, il se cache pas trop, hein. Non. Je crois que tu vas impératrice la 3-1 là, je pense. On fera Starname tour d'après. Hein. Tu préfères Starname toi? Non, j'étais en train de lire si on en faisait un. Quoi, ouais. Tu peux commencer par Starname et impératrice le tour d'après aussi. Ouais, mais... s'il y a encore un doublon d'El Ganjo. Il va plus attaquer en fait. Le problème c'est quand il y a Starname, ouais. T'auras plus de bonne impératrice. Non, je pense qu'il faut faire ça là. Ouais. Et je veux virer entrave sort. Oh ouais. Ah bah maintenant que la game est avancée, l'attaque de Talia, on s'en prend. On gagne 2 PV. Il faut qu'il mette au moins une de ses deux créatures dans l'impératrice. Il a beaucoup de mana. Ouais, bah, il a un manland. Il en a trouvé 2. Hein. Quand nous on manque à 5, il en a 2. Et s'il en joue 6. Bon. Il en joue 6. Hein. La liste que j'ai vue parfait là, elle est vraiment vénère. Il y a 3 landes rampantes et 3 grottes du dragon et seulement 16 plaines. Ah ouais. Ce qui est... Du coup, on peut l'attaquer. Si on casse assez ses manlands, il a plus de plaine au bout d'un moment. Ah, il fait fi. Ah, j'aime bien le fait qu'il nous respecte pas là. C'est pas mal qu'il nous respecte pas du coup. Ouais. Du coup, tu peux Starname. T'as un 4-4 qui bloque son 3-4. Tu mets un token de 2 et on n'est pas mort. On essaye, hein. C'est le meilleur play là. Bah, tu fais pas mieux, hein. Ouais, tu fais pas mieux. Et s'il a encore interaction, bon bah, GG. Hein. Il aura eu vraiment la main nickel pour nous, Rex, quoi. Ouais, on s'en fout. Écoute, on s'en cague, tu vas même prendre. Passer à 1, je pense. Donc il faut que tu passes à 1, ça a plus de valeur à bloquant, non? Là, il nous économise 4 points. Pour le prochain tour, plus avoir de bloqueur. Ouais, je crois qu'on peut. Bah ouais. Ok. Je vais lui virer ça. Ouais, mais on est mort sur son land en fait. Ah ouais, il n'y a pas de. Pas d'alternative. Ouais, à moins qu'il le voit pas, je sais pas. On aurait peut-être dû garder Bozeijou. Non, on pouvait pas. On peut Qatar, passe et lui faire croire à El Ganjo. C'est le meilleur play. Hein. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Si c'est une option, si ça te met pas à 0%, vas-y. Hein. Allons-y. L'adversaire. Ouais. Ah bah non, je suis con. Il a vu notre main. Bien joué, ouais. Ah, il est au courant de toute la main. Ok. Ouais. Bon, bah, écoute. Je fais les guettes. Bien joué à lui. 3 vies et 3, tu l'as comme ça, t'as pas gagné avant point de vie. Hein. Mm.
Ah là là, putain, et en plus il voit la main quand il contre ça. Hein. Quelle chiasse. Ouais, bah ouais. Ah, bah il a une Et bonne ouais. sortie, mais. Mais c'est fine en vrai, genre on s'est battu quoi. On a tué Satalia. Bref, de toute façon, quand on garde des mains avec que des drop 3 et qu'on prend Talia T2, en fait on l'a dit, si on a accepté de perdre sur Talia T2, bah on a Ouais. perdu sur Talia T2, c'est la vie, c'est Il comme ça. fait Talia dans Trapsor surtout. Ce qui Oh fait ouais. que le drop qu'on peut jouer un peu tôt, entre Tu guillemets, peux pas le on jouer. peut même pas le jouer. Ouais. On a commencé à jouer au tour 5 quasi. Je pense qu'on doit pas garder cette main si on sait qu'on meurt sur Talia T2. Ouais, on va faire mulligan. C'est pas Mais comme grave. on a pioché un peu comme de la merde, j'ai été result oriented et je me suis dit, on a une main avec nos couleurs, des bonnes cartes. Ouais. Une bonne leçon à tirer. Si tu La meurs 2, on sur. l'a gagné au grind, donc j'ai été orienté, tu vois, par ça, quoi. Si tu meurs sur Talia T2. Mais en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est pas genre là, on avait une main qui grindait et c'était important parce qu'on gagne au grind. Dans tous les cas, suivant late game, tu gagnes. Ouais. Dans tous les cas, avec ce Ouais, c'est deck-là, vrai. Ouais. si tu vas en late game, tu gagnes. Et lui, juste, il va t'empêcher d'y aller, quoi. Mais c'était intéressant. C'était quand même cool comme game. Ouais. Coupe de booster, c'est free. Allez, ouvre. Oh, Satoru Maezawa, on s'en fout. Il a été très joué dans rien. Ou pas. En AP, il a été joué. Ah, bah Oh putain, bon, super. t'as mis en. Je déteste cette carte, gros. J'avais Je la vraiment envie que déteste. tu m'ouvres deux boosters, tu vois. Je la déteste. Ils étaient vraiment très très utiles, quoi. Imagine si dans mon pool au Torino Tournament, j'ouvre deux landes rares et boîte à Et miroir. boîte à miroir, après, t'es trop bien, tu fixes ta mana. Je suis régalé. Bah, bien sûr. Heureusement que c'est pas ce qui m'est arrivé. Bah, non. Et non. Évidemment que non. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, VolpelMagicArena.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de la ta belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.